Negra. Tu connais bien. Lumière est là. C'est un départemental. C'est lui qui a été le premier comme président d'un centre de formation qui dit je représente tous les centres de formation du Sénégal et j'amène un appui pour que ngène dem parce que li ngène nekké yakaron nañ ko ta amulen ko li ñan doon xart yeen ngeen organisé wu donc vraiment ñukoy yobante wa Jambar dinañ wax ni nous remercions Sayar parce que tay ci togué c'est grâce à lui di wax encore li tax ce remerciement à l'institut parce que dañ fi tassendo l'institut est là la CONEP est là j'ai fait exprès de faire un point de presse parce que l'institut de Pignot ni dans toutes les régions si la CONEP existe déjà d'autres me liguer à Kenen parce que ñun ñoy wax les jeunes talents pas question de travailler avec des individualités qui sont là. Ça aussi c'est un remerciement nous bëggone ngeen waxal ñuko au président Sayar ensuite ñeu encore indi 100 ballons ni def koy may la ko def de Louga et là aussi c'est un plaisir là je remercie ñep de remercier encore les éducateurs avec qui on travaille ensemble parce que moi je me dis Louga man jigen la ma and ak yeen mais aujourd'hui quand je suis ici c'est grâce à vous j'ai toujours travaillé avec Mouna Martin Ndoy, Abdou, et aujourd'hui c'est ces mêmes personnes-là qui deviennent. Elle la connaît et qui travaillait avec Jambar. Donc leur plaisir là. Moi, j'ai une affaire là pour lancer aux éducateurs. D'ailleurs, on nous donne ben. On va être très soudés. D'autres nous d'accord que ben centre du gay n'importe où nous de liguer avec d'autres personnes. La connaît est là. On est là pour le football des jeunes. Qu'on y ait des filles. Ça c'est moi qui le dis en tant que premier vice-président de la CONEP. Pour nous aussi, vous voulez liguer, donc liguer à CONEP parce que les jeunes talents c'est vous. Retombez, ils nous posent la question pour modèle aussi qui est centre du Goïndi, c'est parce qu'il faut nous liguer à Guyane. Et là, je remercie tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir que d'être là, nous organiser l'I, nous on est en collaboration avec Jambar Moutaho. Là, je voulais le dire vraiment, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Tu peux faire ma question là? Je vous permettrai au moins de. Faire ma présentation et de servir aussi l'assistance. Parce que, jusque par protocole, je pense que je voudrais commencer par saluer le président de la Ligue représentant du président de la Fédération sénégalaise de football, Michel l'inspecteur régional des sports, le représentant de l'État, le ministère des sports, Michel le directeur technique de Jambar, le représentant du président CSF. Madame la première vice-présidente de la coordination nationale des écoles de football du Sénégal, Marine Gueye, à Michel Abdou Gueye, président de la CONEP de Dakar, le doyen Pape Abdou Fall, président de CONEP, Sidi Diakhaté, président de CONEP, et membres élus, donc tous membres du comité exécutif, Ahmed Fall, vous. Parce qu'en un moment donné, Mme Els, elle était un peu perturbée parce qu'on n'en parlait que du football de l'élite. Alors, la question qu'on pose à Jambar, il est très bien qu'on se la pose nous, Sénégalais. À quand qu'on va donner de la considération au football jeune? Aujourd'hui, il y a la CONEF qui est là, il y a Jambar qui est là, on n'a pas vu de seniors ni de cadets, on n'a vu que des jeunes. Jambar est venu pour un but précis. C'est pour recruter les jeunes talents de Louga. Et 80% des questions vont à l'endroit du football de l'élite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la charge de donner beaucoup plus de considération au football jeune, aux enfants, que nous gérons, nous, les éducateurs. J'aime bien la structure Jambar, parce que Moussa l'a dit tantôt, nous travaillons avec Jambar depuis plus de 10 ans. C'est un projet
qui est là et qui nous a valorisés comme toutes les autres structures. Je vais citer Génération Foot, Aspire, Dakar Sacré-Cœur, etc. Et voilà qu'aujourd'hui, après beaucoup d'années écoulées, on a jugé que la seule partie, la seule structure, les seuls qui se servent jamais de leur mérite, c'est les éducateurs de football. Ça veut dire, aujourd'hui, vous connaissez Idrissa Gueye, doyen Moussa l'a cité tout à l'heure, vous connaissez Sadio Mané, avec tout ce qu'il y a derrière nos signatures de contrat, on n'a jamais entendu parler de la part de l'école de football. Et que Martin Mbou, il ne vient pas du ciel, ça veut dire qu'il a fréquenté une école de football. Assim, il a fréquenté une école de football. Donc nous, aujourd'hui, notre fierté, c'est de voir un Martin Mbou, un Assim qui réussit dans l'éducation. Mais ce serait bien aussi de voir un Idrissa Gueye qui réussit dans le football et que derrière, pour ce qui concerne les retombées, nous aujourd'hui, la CONEX, on est là pour défendre les intérêts des éducateurs de football. Mais ce n'est pas une affaire de rébellion, ça veut dire qu'on est assez mature, on est assez intelligent pour pouvoir ensemble discuter avec les parties prenantes pour dire voilà la position de la CONEX, voilà ce qui doit vraiment suivre. Après qu'un gamin signe un contrat professionnel, voilà au moins ce que l'éducateur peut attendre des intérêts de. Alors, l'autre aspect c'est quoi? C'était pas facile pour Diamba et moins pour la Fédération Sénégalaise de Football parce qu'on n'était pas organisé. La Fédération l'a toujours dit. La Fédération n'avait jamais d'interlocuteur valable parce qu'on était en ordre dispersé. Je pense qu'aujourd'hui, étant structuré et organisé, ce serait beaucoup plus facile pour la fédération et à Diambar et aux autres centres de formation de s'adresser à de pouvoir collaborer avec les éducateurs de football. Mais parce que moi je suis une personne. Donc je suis une personne qui fait que quand on me rend un service, je voudrais utiliser un moment opportun et un moment beaucoup plus important pour pouvoir vraiment témoigner de ce geste. Je voudrais dire un grand merci à M. Samba Tom, président de la Ligue régionale de football de Louga. C'est-à-dire, c'est un président exemplaire pour le football du Sénégal, je dis bien. Parce que nous, aujourd'hui, quand on a un président qui fait un geste allant dans le sens de développer le football jeune, on salue ce geste-là. Donc, il a casqué beaucoup d'argent pour appuyer la coordination régionale de football de Louga. Donc, ça me doit nous les gérer de la santé. Et que, Amnanak, contrairement, il y a un président de Ligue qui sait, quand la CONEF, Bimidjo, dans le corps, il a fallu que la Fédération Sénégalaise de football ait la responsabilité pour trancher. Président, donc on va y me faire. C'est-à-dire, Fédération Sénégalaise de football, nous avons une responsabilité pour trancher, pour dire, hé, nous connaissons les Ligues. Quand il s'agit des écoles de football, on s'adresse à la CONEF. Et président Samba, mon école, son chef de délégation. Mais, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que il voit en mon image que qui doit faire une école de football. Nous avons dit que image de qui doit faire beaucoup de sa manière. Parce que Ndiabot a moyen de moi, les marais m'y aille. Les mounes, etc. Donc, président, nous voulons dire que le centre de l'eau. Encore une fois, ce qu'on fait avec moi, c'est encore une fois, il y a une presse. Il y a une presse qui a été faite. Parce que vous avez déjà projet de modèle. Connaître ce que vous avez fait, vous avez parce que tout simplement, nous avons utilisé le plus important, c'est la communication. On a beaucoup communiqué. Donc, de grâce, nous avons dit que 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 nous avons dit
ñun ñi nga xamné ñoy responsable football jeune am nañ yaakar ci football Louga par rapport ak liñ fi gis tay ci talent mais nak lolu man la ak wa ko def bokut ak wa jambar yi nga xamné dañu ñew pour out luñ yob té nañ kay gisé fi non lañ kay gisé fenen gisé ko fenen mais man mi nga xamné tay ji yalla def na may jité école de football yi je suis très content et j'encourage tous mes collègues éducateurs de football ci ngeen gëna japp ci ligue bi et vous dire que nay content nañ lool benen bi nak moy dama ko don ñaan yalla yalla def ko dogal ko tay dama ne bu may tek sama tank dans le cadre du travail di dem ci ben visite ma ngi ñaan yalla mu nekk Louga motax bama joggé voyage yakul te ku ne xamna ci voyage président Samba ñun liñu voyager bi Russie dem na Sénégal ñëwaat demat ñaari yoon Sénégal ñëw on a beaucoup voyagé mais bima marém waxé né ma dama bëgg nga ñëw sañuma ci won tek lénen dul ñëw donc ñëwna pour jambar parce que soori nit lañ mais li ma ëppal importance moy ñëw ngeen jakarlo sen président bu ngeen doxé ku dajé sa président né ki moy son président du teranga du xalal du lénd mais dafa bok ci cieur bo bokké ci courriel so dajé sa président nga né ki mo jité nangam bo doxé ba Dakar bo dajé Abdou Gueye Louguéé nga né ki moy président Koref Dakar donc tay ñu ñi xamé Marème Ndiaye xam ñi nga xam na ñom ñoy genn di ñew ñu leen xam ay Papa Abdou Fall ay Sidi Diakhaté non la amé plaisir pour ñun suñu jakarlo yeen donc encore une fois ñu ngi gëreum ñep di sant ñep et di wax rek ci question bi c'est comment encore kan monsieur kan c'est à dire tay bu fekkone lolu amna ko neuf du jutt bu fekkone lolu amna gané bu ñu téggé cëri dañ nan cëru école de football baagi ni xeyna ko neuf du jutt donc bokku na ci ñu nat bané li bokku na ci li nga xamné ñu koy néwal doolé éducateur de football wala école de football bi ñu né ñu lañ organiser wu ba taxaw mëna waxé ben cadre benen aspect bi nak moy bu ñu rombé mbirum ay xaaliss ak yoy dafa am lu ko importance moy da ngay ñew Louga fekk éducateur bu yor ay U13 mu yor ben programme bo xamanteni da nga fekk matar wad di entraîner équipe senioram éducateur bi jël ko di ko transférer ci xalé yi c'est parce que tout simplement amul ben harmonie ci pour continuer de travail ak programme de travail ñi liggé donc connaissez bu jëru jogé taxaw problème bi ñu ko régler té on a eu tous les problèmes du monde c'est la catégorisation éducateur ya gi ni chaque jour ma dégg ay ciow lu dir parce que ñu non on est dans le réseau chaque jour ñu dégg ay ciow lu dir ki gëné na sama boy ki gëné na sama boy alors que le 13 ans de Kaolack et de Tamba et de Louga ben la wara don donc voilà mission yi nga xamné mom la connaissance gad né bëgguna bu ñëwé ñu am un programme harmonisé xamné xalé bi ñi programme biñ koy jox Louga mom moy ki ñi jox ke nek Tamba moy ki ñi jox lénen connaissance amna lénen lu mu ci def nak moy tay au moins licence xalé bi ngay fekk à Louga mom ngay fekk Tamba mom ngay fekk Fongaleñ ñi té loolu yépp nak ak suñu moyen bop ak suñu organisation bop mais surtout nak avec l'aval de la Fédération Sénégalaise de football ñuy xaar derrière l'appui de la Fédération Sénégalaise de football parce que idée bo mën ci am té am moment yu ko dem nous préférons le peuple Jambar parce que c'est là où c'est la base c'est l'éducation c'est maintenant pour moi c'est le peuple de Jambar c'est pas de l'entraîneur ça de devoir des gérer ça c'est du compte de l'âge ça c'est du compte de paramètres qui vont d'un enfant, d'un jeune peut être réussi. Voilà. Jambar, vous préférez éduquer, c'est être à disposition du jeune, être à l'écoute du jeune, et lui faire comprendre que la vie, ce n'est pas uniquement le football. Voilà, c'est un pack de football et la tête. Et ce n'est plus encore dans son sein, c'est que le juste entraîner au jour pour les personnes sportives. Moi, entraîner, c'est des personnes sportives, c'est des critères qui sont déjà fichés. Mental, tactique, technique, et puis on s'arrête là. Éduquer, c'est autre chose, c'est de donner plus. C'est voilà, faire comprendre aux jeunes d'abord le chemin qu'il faut pour traverser tous les yeux et s'y déployer et après toutes les méthodes ici à bon comportement de monsieur qui n'a pas ce qui n'a pas de jeune qui est un modèle pour nous et qui doit lui enseigner la route, qui doit la prendre la place. Également l'intérim du
chef de service régional des sports. J'ai à mes côtés monsieur le président de la Ligue de football. Donc, on va y greffer simplement une petite partie protocolaire pour donner la parole au président de la Ligue de football. Moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de parler. Parce que l'essentiel, du travail va être dirigé par les journalistes qui sont là ce matin. Donc, pour ma part, je voudrais juste féliciter les techniciens de Louga qui ont travaillé avec leur structure Codef de Louga en relation évidemment avec le structure nationale Codef, représenté par M. Dabo ici, présent. Et je crois que tout compte fait, les opérations se sont bien. Donc, en plus, je vous remercie. Mais ça a rappelé que nous avons également à côté de nous les responsables de l'Institut Diambar qui sont venus faire les tests. C'est simplement ça qu'il fallait présenter. Au niveau de Diambar, ça, je pense que à l'image de leur président qui déploie moins d'efforts pour que revigore le football de ce pays, Diambar est en train de faire un bon travail. Nous disons également un grand bravo au président de la CONEF, avec qui nous avons partagé quand même quelques moments de bonheur en Russie, parce que nous avons découvert réellement en Russie et sur qui nous fondons beaucoup d'espoir. Par rapport à ceux qui viennent de Diambar, j'en connais certains, puisque Diallo, nous le connaissons par son talent, il a fait les beaux jours de notre football. Les autres également, certainement, je ne les connais pas, mais c'est également des gens qui ont eu à faire beaucoup de choses dans ce football. C'est-à-dire donc que nous avons aujourd'hui devant nous des gens qui sont extrêmement importants et nous n'allons pas être loin. Nous allons laisser donc la parole aux journalistes de leur poser des questions, mais également remercier la CODEF, le Louga également, la CODEF. Je pense que c'est des éléments qui sont là, qui multiplient les efforts jour et nuit pour que cette jeune génération de l'Ambus régionale. Je vous remercie. Je suis un peu long, mais je pense qu'il fallait que je lance ces mots. Je souhaite vraiment un bon séjour dans le terroir. Merci beaucoup.